Chapitre 1. Je dois lui avouer. Ça fait une bonne heure que je suis devant mon PC éteint. Je pense trop à lui, à ce que je ressens pour lui. Pourtant, j'aime les filles, du moins je crois. Il a toujours été là pour me soutenir et ça me touche beaucoup. Mes sentiments envers lui ont grandi de jour en jour. Lui aussi sort avec des filles, donc je suis sûr de me prendre un râteau de sa part si jamais je lui avoue mes sentiments. C'est là que mon téléphone vibra. Oh, un appel de Cyprien quand on parle de lui. Allô ? Hey, salut Lucas. Me dit-il. Salut, ça va ? Super, et toi ? Me demande-t-il. Beaucoup mieux, merci. Ah, tant mieux. Ça te dit de manger une bonne pizza devant un film ? Tous les deux ? Me propose-t-il. Ah oui, pourquoi pas ? Super, à ce soir 19h, ciao ! Dit-il. Bip, bip. Il a raccroché. On va être que tous les deux et je sens que je vais bégayer et rougir toute la soirée. Je vais me changer, mettre un jean et un simple t-shirt Iron Man, ça fera l'affaire. Je sors de chez moi et me dirige vers ma voiture direction l'appartement de Cyprien. J'ai hâte qu'il arrive. Je tiens plus en place, comme si j'attendais un cadeau, alors que c'est Lucas. J'entends la sonnette de ma porte et me dirige vers celle-ci. Je l'ouvre et lui souris. Il aborde un sourire craquant. Entre, n'attends pas que je te le dise, tu es comme chez toi. Voilà. Lui dis-je. Ah merde, putain, vas-y. Oui, merci. Pardon. Il s'installe sur le canapé et je lui montre sur ma télé les films à voir. Le connaissant, il va vouloir regarder à nouveau Avengers. Avengers, ça te dérange pas ? Me demande-t-il en me regardant de ses magnifiques yeux bleus. Non, t'inquiète pas, dis-je en allant chercher les pizzas. On commence alors le film tout en dévorant nos pizzas, et la soirée ne fait que commencer.